Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, oui, on est encore sur mon île hémisphère nord, tout simplement. Pourquoi ? Oh mince, j'ai presque plus de batterie sur mon Joy-Con gauche. Bon bah c'est pas grave, va falloir le changer. En tout cas, voilà, on est beaucoup sur mon île hémisphère nord. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on attend que la bulle se transfère sur Octave pour pouvoir, eh bien, lui dire de partir. Et pour pouvoir partir ensuite, évidemment, en chasse à l'habitant. Donc voilà, let's play, nouveau let's play sur mon île du nord. Pour bien commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà le cas. Et à me mettre des petits pouces bleus, histoire de me soutenir un maximum. Et donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai préparé, des petites robes à carreaux qui sont beaucoup trop mignonnes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les ai retrouvées dans mon inventaire et je me suis dit, ah mais ça je les ai pas du tout offert aux filles de mon île. Donc voilà, je les ai récupérées, on va leur offrir les petites robes là. Et pour les garçons, un petit délire, des tenues de catch. Et je les ai prévenus mes habitants de l'île, et je vous ai prévenu aussi, ils arrêtaient pas de m'offrir la tenue de catch. Et bah voilà, je me suis dit, et bah bien fait pour eux, ils auront une tenue de catch. Et d'ailleurs ça leur fera pas la combi complète, ils auront comme une espèce de petite robe. Donc voilà, ça sera super drôle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve ça très drôle. Et bah c'est parti pour le tour de mon île. Et d'ailleurs il y a aussi, j'ai de la visite dans mon camping. Donc évidemment, on ira jeter un coup d'œil, voir qui c'est qui est en visite sur Kibi Island. Et peut-être qu'on pourra peut-être le remplacer par Octave directement. Je sais pas. On verra qui est dans le camping. Oh my god, il y a Gulliver! Oh purée, il se passe tellement de choses aujourd'hui, c'est génial. On va le réveiller et comme ça, eh bien évidemment, on va faire sa quête. Oh, c'est top, c'est top, je suis très contente. Je l'ai quand même eu assez souvent sur mon île. C'est vrai qu'au début, j'ai galéré à la voir. Et là, du coup, ça fait déjà plusieurs fois, ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas mal de fois. Donc c'est méga cool, je suis très contente. Ah oui, il a perdu son émetteur. Aïe aïe aïe, on va aller lui récupérer. Allez, arrête de blablater. Oh là, c'est une pipelette. C'est une vraie pipelette, c'est incroyable. Allez, bien sûr que je vais aller le chercher. Je sais pas ce que vous en pensez, on va y aller tout de suite. Évidemment, on passera également, j'ai ma combi de plongée, c'est parfait, regardez. Hop, on va la mettre direct et on va aller le chercher tout de suite, comme ça, ça sera fait. Et on passera chez les nains également aussi. Direct, c'est tellement génial, c'est facile, c'est super, franchement c'est canon, c'est canon. La quête de Gulliver, elle est hyper rapide à faire et franchement les objets ils sont canon, je les kiffe de ouf. Je sais pas si vous les kiffez, mais en tout cas moi je les kiffe mais grave. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai gardé la couronne de fleurs bleues, de roses bleues, que je trouve mais vraiment magnifique. Je l'ai gardée parce que je trouvais qu'elle était trop jolie. Oh bah regardez, il y a Didi. On va enlever la combi de plongée parce que voilà, je préfère quand même la tenue du jour. Alors, hop, la combi, hop, on enlève ça, c'est parfait. Et donc, hop, Gulliver, il est là. Oh, la pirouette, je rêve de la voir, la pirouette. Allez, allez, blablabla. Ah, il est content, il a récupéré son, son émetteur. Et du coup, bah voilà, c'est cool, nous on récupérera dès demain. Oh zut, on récupérera dès demain eh bien l'objet qu'on aura en cadeau. Et ça c'est cool, j'espère que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Et comme ça, eh bien, ça nous fera un objet en plus dans la collection de Gulliver. Voyons voir un petit peu. Est-ce qu'ils sont chez eux? Non, ils ne sont pas chez eux. Il y a Christine qui est ici. Bon, déjà, on peut dire que Christine et Didi n'ont pas la bulle. Donc, elle ne s'est pas transférée sur eux. On a Petite Néferti qui est juste ici. Mon amoureux Raymond qui est juste là. On a Marvin qui est juste ici. Ok, il n'a pas la bulle non plus. Bon, vous savez quoi? On file vite chez les petits nains. Comme ça, eh bien, on récupère du papier cadeau et on va pouvoir commencer notre tournée de cadeaux. On va essayer de prendre deux couleurs. Coucou.
coucou les nains. Bon, alors, papier cadeau. Après, je crois qu'il n'y a rien qui m'intéresse. On va quand même jeter un petit coup d'œil sur les objets qu'il y a aujourd'hui dans la boutique. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a suggéré aujourd'hui, mais en fait pour vous c'est hier, dans mes commentaires de ma vidéo quand j'ai misclick et que je ne pouvais pas, et bien, enfin j'ai pas misclick en fait, c'est tout simplement que je ne savais pas qu'on pouvait pas offrir les fragments d'étoiles, et c'est vrai que j'aurais pu acheter des cannes à pêche ou même une pelle, un outil, et c'est vrai que ça aurait pu être sympa à leur offrir aux habitants, et j'y ai pas pensé, et bah, la prochaine fois, et bien c'est ce que je ferais, parapluie imprimé, fleurette, c'est pas mal, c'est mignon, mais bof, allez hop. Nous on est venu chercher du papier cadeau, on va prendre du jaune et du orange, deux couleurs dont je suis pas, absolument pas du tout fan. On va en prendre du jaune et du haut. Non, c'est pas orange, c'est rouge. C'est pareil, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. On va prendre du jaune pour les garçons et du rouge pour les filles. Allez. Non, merci, ça ira. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à vendre de sympa? On a la radio rose. Non, ma foi, non, il n'y a rien qui m'intéresse. Allez, salut! Et ben voilà, c'est parfait. On va tout emballer. Comme ça, ça sera déjà fait. Donc, on a dit les jaunes pour les garçons, donc les tenues de catch, ça va être rigolo les tenues de catch parce qu'en fait ça va leur faire des petites robes comme les tenues de super-héros d'ailleurs, et du coup ça va être drôle. Allez hop, ça s'arrête juste ici, on emballe celui-là également évidemment, et on emballe tout le reste en rouge, peu importe les couleurs pour les carreaux, en vrai c'est pas bien grave du tout, elles sont toutes très belles les habitantes, donc forcément peu importe la couleur, eh bien, tout leur va à merveille. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je me prends plus trop la tête. Avant, je me prenais grave la tête et tout. Bon, allez, quelle couleur j'offre à Didi, quelle couleur machin. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui leur vont particulièrement bien. Mais dans l'ensemble, quand même, tout leur va à merveille. Allez, voilà, on a tout emballé. Et ben, c'est parti pour cette tournée de cadeaux. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que j'étais pas la mère Noël. Non, je ne suis pas la mère Noël, je suis juste Kibi. Et... regardez-moi le Raymond, il a la classe de ouf Raymond, oh, il a le style, c'est incroyable, il est trop beau. Bon, vous savez quoi, comme il est en train de balayer, je vais parler à Neferti. Ça alors, salut, je pensais justement à toi. Tiens, ça te ferait plaisir, c'est pour moi. Bah oui, comme bien, elle va bien cette petite robe jaune là d'ailleurs, elle est super jolie, avec sa couronne et tout, oh my god, non, elle est trop cute, elle est beaucoup trop cute. Allez, tiens, c'est pour toi ma chérie. Oh, elle est belle, elle a la classe aujourd'hui. Oh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'elle a pas la classe, ma Neferti, comme ça, avec sa petite robe et sa couronne? Oh ouais, moi je la trouve trop belle. Une robe grand carreau, pince-moi, je dois être en train de rêver. Ça lui plaît, quand c'est comme ça, c'est qu'elle adore. Tu sais quoi, je vais faire quelque chose de complètement fou et l'essayer sans plus tarder. Vas-y. Ouais, c'est mignon, c'est très mignon. Avec la couronne, c'est pas ouf. Un nécessaire de couture, ok, ça marche. Cool. Un objet, ça c'est cool. Avec la couronne, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, ça lui va très très bien. Alors, mon petit Raymond. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh là là, avec les lunettes, la veste et tout. Il a une classe incroyable. Ah ouais, il est trop trop beau. Bon, bah je suis désolée. Tiens, ça va être pour toi. Ça va pas être tout à fait pareil, ce que je vais t'offrir. Mais au moins, on va rigoler. Lequel on va lui donner? Alors, attendez. Plouf, plouf. Hop, celui-là. Oh my god, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va être n'importe quoi. Non, je n'ose pas y croire. Une tenue de catch. Oh, il est content, je crois. Eh ben, c'est pas du tout ce que je mets normalement, mais c'est pas mal en fait. Allez, hop. Il a eu la dorée, il a eu de la chance, hein. C'est la classe la dorée quand même. Hein. Ah là 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 là. Allez, le petit troll, parce qu'ils n'ont pas arrêté de m'en offrir des tenues de catch. Et ben voilà, il aura la tenue de catch en doré. Une veste de pêcheur. Ok, ça marche. Regardez-moi ça. Non, ça va. En vrai, ça va. C'est pas trop... Ça va. Ça lui va pas trop mal quand même. De toute façon, il est tellement beau. Tout lui va à mon Raymond. Je sais qu'il y avait Didi de l'autre côté. On va tout de suite aller la voir. Si elle est encore là-bas, on va aller voir ça. Hein. Je pense que je suis sûre qu'elle y est encore. Elle était en train d'examiner les fleurs tout à l'heure. Ah, regardez-moi ça, j'avais raison. Hein. Voilà. Elle a mis plutôt la robe de princesse. Miss Click, je pensais justement à toi, Miss Click. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben,
Tes patacas à ouvrir, tiens, hop là, tiens, ça va être celui-ci pour toi. Allez, ouvre! Une robe grand carreau, il doit y avoir une erreur, ce n'est pas vraiment moi, si! Mais bien sûr que si! Tu sais quoi, je vais faire quelque chose de complètement fou et je vais l'essayer sans plus tarder. Eh bah, essaye-la! Oh! Waouh! Oh, purée, c'est trop beau! Oh my god, je sais pas ce que vous en pensez, un imperméable goutte d'eau, ok, ça marche. Ah non, ça lui va hyper bien! Oh purée, elle est trop belle! Oh! Oh ouais, n'hésitez pas à me dire, mais elle est magnifique! Oh, dommage qu'on puisse pas tourner la caméra, elle est incroyable, c'est trop joli! Les couleurs lui vont tellement bien! Non mais de toute façon, voilà, elle est très belle, regardez ça, elle passe dans les... Oh, elle passe dans les fleurs violettes. Non, elle est trop jolie, elle est beaucoup trop jolie, franchement c'est une... Oh, j'adore, je suis fan. Bon, allez, salut ma titi, des bisous. Bon, qui c'est qu'on va croiser maintenant? Alors, voyons voir. Oh, il y a Marvin. Marvin, il est en train d'étudier le muguet. Salut Kibi, c'est toujours un plaisir de tomber sur toi. Eh ben... Alors, attends, tu vas voir ce que je vais te donner. Et puis, je ne sais pas la couleur que ça va être, mais... Allez, celle-ci. On va voir ce que ça va donner. À mon avis, ça va être chelou sur lui. Une tenue de catch. Trop la classe. Oh, ouais, kiffe. Je vais l'essayer sans tout de suite. Bah, vas-y. Je suis sûre que je vais avoir le swag avec ça. C'est un peu démodé de dire swag. Hein. Swag, c'est méga démodé. Hein. Miss Click, allez. T'as vu ça? C'est beau tout neuf. Merci beaucoup, Kibi. Bah, de rien. J'ai un truc pour toi aussi, un rouet. Ah ouais, c'est un objet ça, c'est cool, je suis content des objets, ça change. Ok, ben voilà le petit Marvin avec sa tenue de catch. Attendez, on va se mettre ici, on va voir si on la voit mieux comme ça. On le voit pas super bien, mais voilà, c'est rigolo, je préfère... Ah, j'ai cru qu'elle était en train de réfléchir, non pas du tout. Sur Raymond, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, Raymond ça lui va hyper bien. Raymond, ça lui va super bien. Marvin, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, du tout, du tout. Bon, alors, qui c'est qu'on va croiser maintenant? Oh, il y a Octave qui est juste ici. Est-ce qu'il réfléchit? Ah oh, non, il a mis sa tenue de sushi. Il est en train de se manger une sucette. Bon. Salut, Ekibi. Crois-le ou pas, j'espérais te croiser. Ah bon? Tiens, voilà pour toi. Il est de bonne humeur aujourd'hui, mon Octave. Bah alors... Eh ben tiens. Regardez sa tenue de sushi. Oh, j'espère que je ne serai pas déçue. Oh, mais arrête de dire ça. Je rêve, tu m'offres vraiment une tenue de catch. Non, c'est pas un rêve, c'est une réalité, mon petit Octave. Alors, vas-y, essaye. Grand vert, ça lui va bien, le vert. Le vert et le rouge, ça va bien ensemble. Ça ressort bien, en fait. Oh. Alors, un gilet tricoté à rang. Ok. Je sais pas du tout ce que c'est que ça. On va regarder ce que c'est, ça m'intrigue. Regardez-moi ça, il est au calme avec sa sucette. Bon, j'espère qu'il va avoir la bulle un peu plus tard. Hein. S'il l'a pas tout de suite, il l'aura peut-être un peu plus tard. Ou si c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Alors attendez, voyons voir ce qu'il m'a offert. Un gilet tricoté à rang. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est encore... Oh my god, c'est encore Mathéo aujourd'hui. Vous savez que ça peut être plusieurs fois la même personne. Aïe, aïe, aïe. Mon petit choubidou. C'est encore mon petit choubidou. Non! Pourquoi? Oh, purée! Pourquoi lui encore? Oh non! Oh, j'aurais tellement espéré. Et ouais, ça arrive. Et d'ailleurs, si vous faites la technique que je vous ai déjà fait en vidéo de cette bulle qui se transfère d'un habitant à un autre tous les jours, eh bien, sachez, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, que ça peut tomber plusieurs fois sur la même personne. Et du coup, bon bah voilà, c'est tombé deux fois sur Mathéo. Il va falloir absolument qu'on attende encore. Et bon bah voilà, je pense pas, ça m'est jamais arrivé que ça puisse changer dans la journée de personne. Mais voilà, Mathéo a vraiment, vraiment envie de partir. Bon, je viens de récupérer la bouteille de la mer, une pile de Zabuton. Ça, je connais déjà, c'est sûr. Ouais, je connaissais déjà.
Et bah, il n'y aura pas de cadeau encore aujourd'hui, mon petit Mathéo. Donc, bon, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, ma petite Christine. Oh, Kibi. Wesh, ma chérie. Tiens, c'est pour toi. Pour moi. Ah oh, ouais, ça va bien lui aller, elle aussi, j'en suis sûre. Allez. Attends, tu blagues, une robe à grands carreaux. Regardez, elle est trop contente. Oh purée, ça claque. Oh my god, c'est beau. Ah ouais, ça lui va tellement bien. Un débardeur de basketball. Ok, c'est cool. Ah non, mais c'est magnifique. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Regardez-moi ça, elle est incroyablement belle. Oh. Ah ouais, elle est sublime. Elle est magnifique. On va lui faire des fleurs parce que franchement, elle est trop jolie, quoi. Oh. Ah ouais, elle est vraiment magnifique. Elle est trop belle. On lui va faire un cœur aussi, un petit cœur. Oh là là, avec son petit yoga. Elle est incroyable. Ah ouais, elle est essoufflée. Bon, on la laisse tranquille. Allez, salut ma chérie. Elle est trop belle. Ah, Nadine, ça va bien y aller aussi, je pense. Est-ce qu'elle est chez elle, la petite Nadine? Elle est chez elle. C'est parfait, ça, dit donc. C'est parfait. Oh, il y a Monica aussi. Ah là là, elles sont copines. C'est cool, ça, dit donc. On parle d'abord à Nadine. Hein. On est chez Nadine. Figure-toi que je reçois également Monica aujourd'hui. Allez, salut. Allez, ça te ferait plaisir. Oh, tu n'aurais pas dû. Bah, si, quand même, tiens. Ah, elle s'assise, Monica, zut. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bah, ouvre. Une robe. Une robe à grands carreaux. Ah, vas-y, essaye-la direct. Hein. Ah, sublime. Sublime. J'aime beaucoup la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça lui va très, très... Une blouse d'enfant. Mais j'en peux plus qu'il m'offre des trucs nuls comme ça. Oh, j'arrête pas d'en avoir des blouses d'enfant. Ils ont pas arrêté de m'en offrir. Bon, on va être obligé de sortir. On sort et on re-rentre. Tutut ! Trop ouf ! Moi aussi, je suis venue voir Nadine. J'aime trop comment elle parle, Monica. J'adore comment elle parle. Tiens, voilà, c'est pour toi. Tu as quelque chose pour moi ? Bah ouais, alors attends. Laquelle on va lui donner ? Tac, 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 celle-là. Oh, elle s'est changée, Nadine ! La vilaine ! Oh là là, elle s'est changée. Est-ce que c'est une robe à grands carreaux? Bah oui, c'est ça. Direct la cabine d'essayage. Ah, hâte de voir ce que ça donne sur moi. Ça va être trop beau sur toi comme d'habitude. Oh, on voit pas, mais bon, je suis sûre que ça va super bien lui aller. Alors attendez, on va tourner la caméra. Un uniforme d'hôtel. Purée, encore? C'est pas possible. Elle s'est changée, la vilaine Nadine. Regardez ça. Bon, en même temps, c'est une robe que j'ai offerte aussi. Et elle lui va super bien. Et regardez-moi ça, Monica. Non. Oh, j'aurais aimé qu'elle la garde, Nadine, juste pour qu'on puisse les voir toutes les deux avec. Mais en tout cas, regardez-moi ça. Monica, elle lui va super bien. Regardez, elle est en train de se pousser. Hey, du calme, hein, les filles. Oh, ouais, elle lui va hyper bien. Oh, elle est trop belle. Bon, allez, salut, tutut. Il nous reste Laura. Laura, on n'a pas croisé Laura. Et du coup, on va passer par ici. Et on va aller voir si Laura, elle est chez elle. Parce qu'en vrai, on n'est pas passé devant chez elle, à ma petite Laura. Et on va aller regarder aussi. Hein. Je suis sûre qu'il est encore en train de... Attendez, je ramasse la mauvaise herbe. Je suis sûre qu'il est encore en train de réfléchir, hein, mon petit Mathéo d'amour. Attendez, on va aller voir ça. Je suis sûre, on va passer par ici. Je suis sûre qu'il réfléchit encore. Ok, il est plus du tout par ici. Ah, il est là. Il réfléchit plus. On va pouvoir lui offrir... Tiens, j'espérais te croiser. Tiens, c'est pour toi. Oh purée, il a arrêté de réfléchir. Sans blague. Eh ben, c'est parfait. Oh, enfin, hier, il a pas eu le droit à son petit cadeau, lui aussi. Bon, en même temps, c'est un peu pas ouf, hein. Mais bon, voilà. Alors, quelle surprise. Vas-y, ouvre. Je suis en train d'halluciner, c'est une tenue de catch. Ouais, c'est ça. Allez, essaye-la. Oh purée, le rouge lui va tellement bien. Merci Kibi, je kiffe mon nouveau look. Oh, non, c'est drôle, c'est très très drôle. Moi j'adore, je trouve ça vraiment rigolo. Un chariot de service. Oh, ça te botte, grave que ça me botte. C'est canon ça, dis donc, comme cadeau. Et j'ai toujours pas sa photo à lui, hein. Vilain petit Mathéo. Vilain petit Mathéo. Bon, oh oh, je t'ai coincé. Bon, alors Laura, est-ce qu'elle est chez elle? Magnifique, elle est chez elle, c'est top, allez go. Ah, il est en train de craft. Oh, elle a mis la petite robe d'Alice au pays des merveilles. Et ça, c'est cool.
Alors, elle y va bien aussi. Ah, mais moi, voilà, je la trouve tellement belle aussi que tout lui va à ravir. Bon, vas-y, qu'est-ce que t'es en train de fabriquer? Je n'en dors plus. Une corbeille en bambou, je crois que j'ai déjà ça, c'est sûr. Ouais, j'ai déjà, c'est sûr. C'est pas grave, vas-y, envoie. Envoie ton petit plan. Moi, je prends tout. Je prends tout comme ça. Après, je me fais un max de clochettes. Et d'ailleurs, vous devriez faire exactement la même chose que moi. Alors, ok, c'est cool. Attends. Je te prends mon cadeau quand même, ma cocotte. Allez! Alors, c'est pour moi. Bah non, t'as cru que c'était pour ta voisine. J'ai déjà offert en même temps à ta voisine, donc ça peut pas être pour elle. Alors, tiens, c'est pour toi. Quel bel emballage. Une robe à carreaux, à grands carreaux. Il doit y avoir une erreur. Non, il n'y a pas une erreur. Allez, porte-la, mets-la tout de suite. Waouh. Non, elle est trop belle. Elle est trop jolie. Un haut col en cœur. Ok. Ok. Oh, mais oui. Non, elle est très 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 jolie. Elle est très très jolie. Par contre, son établi là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça va pas du tout avec son intérieur de maison, ça. Ah non, c'est pas du tout ça qu'il lui faut. Je vais peut-être lui en acheter un autre. J'en ai peut-être un rose. Ah ouais, qui irait beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Ah ouais, je trouve que ça va pas du tout. C'est pas terrible, quoi. Hein. Ça pourrait être mieux. Bon, allez, salut. Ah, je crois qu'il y a les Miles plus qui ont clignoté tout à l'heure. Ça doit être parler aux voisins. Mais... Ah non. Dis bonjour. Oh. 3000. Oh là là, 3000 Miles Nook. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon. Allez, eh bien, je pense qu'il est l'heure d'aller voir qui se trouve dans mon camping. Qui c'est qui est venu sur Kibi Island en visite? Je sais pas si vous avez hâte de voir qui c'est, mais moi, j'ai très hâte. Les sœurs doigts de fée, franchement, je vous avouerai que en ce moment, ça me gonfle un petit peu parce que j'ai pas grand-chose, je vois rien du tout. Et à chaque fois, je rentre pour rien chez les sœurs doigts de fée. Et du coup, ça m'agace, donc j'ai décidé de pas y aller aujourd'hui. Voilà, en ce moment, j'ai plus envie d'y aller. Ah là là, qui c'est qui est venu me visiter? Je regarde juste un petit peu s'il y a des petites choses à nettoyer. Il n'y a rien à nettoyer. Ah là 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 là, qui c'est qui est venu en visite dans notre camping? Je ne sais pas du tout. Et ça va être la surprise. Ça va être la surprise, hein? Ah ouais, on va se mettre un petit point d'interrogation comme ça. Ah ouais, qui c'est qui est là aujourd'hui? Eh ben c'est parti, hein? Go! Oh my god, c'est Tupix! Oh purée! Oh, c'est énorme! Ah, tu habites ici! Quel plaisir de te rencontrer, je m'appelle Tupix! Oh là là, je sais qu'il est très spécial. Moi, je le kiffe de ouf. Je trouve qu'il est stylé de ouf parce que c'est un catcheur. Parce que c'est un catcheur et en plus, c'est un sportif. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai pas de sportif sur l'île et qu'il me faut absolument un sportif parce qu'il me manque les mimiques du sportif. Et du coup, il faudra absolument que j'en fasse venir un. En vrai, je pourrais essayer de le faire. J'hésite. Franchement, j'hésite. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pourrais essayer de le faire venir et de le remplacer par Octave. Et puis, voilà. Mais le truc, c'est que du coup, on partirait pas en chasse à l'habitant. Et moi, j'adore chasser. Hein. J'adore chasser les habitants. Du coup, je suis quand même devant un petit dilemme. Je sais pas du tout. Je pense que je vais me laisser la journée. Il est encore tôt. Il est 15h. Je peux me laisser encore un petit peu de temps pour réfléchir. Ah là là, je sais pas du tout quoi faire. Et en plus, je peux pas vous faire un post communautaire parce que cette vidéo, moi, aujourd'hui, vous l'aurez que demain matin. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. Mais en tout cas, oh my god, c'est Tupix, quoi. Oh, purée, c'est incroyable. C'est incroyable, je m'attendais pas du tout à lui. Et je m'étais dit que si c'était une grande sœur, il était fort probable que... parce que j'étais plutôt partie, dans un premier temps, à faire venir d'abord une grande sœur. Mais, oh purée, je sais pas quoi faire. Après, j'ai vraiment envie de chasser, hein, donc je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser. Pour l'instant, je me laisse la journée pour y réfléchir. Et puis voilà. Allez, salut Tupix. Oh là là, Tupix dans mon camping. Oh là là, je suis surprise de ouf. Hein. Je suis vraiment très très surprise. Je m'attendais absolument pas du tout à lui. Et d'ailleurs, c'est vrai ça, attendez. On va plonger d'ici.
On va plonger d'ici, j'ai offert tous les cadeaux à tout le monde. Ah, par contre, j'ai beaucoup de choses dans mon inventaire et ça, c'est pas cool pour aller faire la quête de Pascal. Non, 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 il va falloir que j'aille vendre des choses parce que voilà, je peux pas aller faire la quête de Pascal avec tout ça dans mon inventaire. Après, je risque d'être bloquée et si jamais je rencontre Pascal et que mon inventaire est plein, ça va être très embêtant. Allez, go chez les nains. Allez, me revoilà. Alors, achète-moi des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va vendre? Ça, c'est sûr, on vend. Blouse d'enfant aussi. Débardeur de basketball aussi. Ça aussi, j'en ai plein. Ça aussi. En vrai, je crois que je vais vraiment tout vendre. Ça, je connais déjà. Le papier cadeau, en vrai, j'en achète tout le temps. Donc, on peut le revendre aussi. Le chariot de service, je garde. La veste pêcheur, je vends. Le gilet, je vends. Le rouet. Ah, je sais pas, le rouet, le nécessaire de couture, je garde, ça on sait jamais. Et la corbeille de bambou, je connais. Attendez, je suis un doute. Si, je connais déjà. Allez hop, voilà, comme ça. Ok, voilà, comme ça, je suis mieux comme ça. Je suis un petit peu plus avide. On va ranger un petit peu les objets comme ça. Alors attendez, hop, on met la combi. Bim! Et c'est parti. D'ailleurs, j'aime pas du tout cette combi jaune. Ah, par où ça va être le plus près pour aller plonger? Moi, j'ai envie d'aller plonger au niveau du camping. On va aller plonger au niveau du camping. On le fait jamais. Et je vais essayer de faire un petit salto. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de salto. Ah ouais, c'est vrai ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de salto. On va plonger d'ici. Je vais essayer. On va essayer de voir si j'y arrive. Je sais pas si je peux changer la vue. Je crois qu'on voit pas si je me mets comme ça. Allez, c'est pas grave. Bon, on va essayer comme ça. Yes! Ah, bah j'ai réussi mon salto, c'est cool. Allez, c'est parti! Yes, c'est parti, il est là mon petit Pascal. Évidemment, maintenant je vais faire très attention pour ne pas misclic. Ah oh là là, le pauvre, hein, quand même la dernière fois, il n'a pas pu manger son pétoncle. Bien sûr que tu peux l'avoir. Allez, bon, je sais pas ce qu'on va récupérer aujourd'hui, mais bon, les dernières fois, on a récupéré des plants, donc c'était quand même super cool. Et je sais pas du tout ce qu'on va avoir, j'espère qu'on va avoir un truc bien. En tout cas, je suis très contente, ça a été plutôt rapide. C'est parfait, quand c'est comme ça, c'est un peu entre deux, et bah c'est cool. Comme ça, ça me permet de faire un petit peu de pêche sous-marine, et en plus de ça, de récupérer, et bah Pascal, pas trop, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Oh, la robe océane de sirène. Oh, je l'ai déjà celle-là, je pense. Alors, je sors de l'eau, et on va tout de suite l'essayer. Alors, voyons voir cette robe. Ah oui, je l'ai déjà celle-ci. Ah, je l'ai peut-être... Ah, vous savez quoi? Je pense que je ne l'ai pas dans cette couleur-là. Elle existe toujours en deux couleurs. Vous savez quoi? On va se retrouver chez moi. Je vais aller vérifier un petit peu eh bien, les robes que j'ai. On se retrouve tout de suite chez moi. Regardez, en rentrant, en allant chez moi, eh bien, je suis passée un petit peu partout sur l'île parce que voilà, je vérifie aussi si la bulle elle s'est pas transférée parce qu'à mon avis, c'est pas fini hein, cette histoire de bulle, c'est certain. Je pense pas que, je pense qu'à mon avis, enfin je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, petit Mathéo en train de chanter, il est de meilleure humeur, il a plus la bulle, il est avec sa petite tenue de catch et franchement, j'ai trouvé ça trop drôle, fallait que je vous montre ça absolument. Allez, je retourne chez moi. Recoucou, me voilà chez moi, j'avais raison, c'est pas la même, elles sont pas de la même couleur et il existe exactement la même chose en fait en version longue et voilà, les couleurs sont inversées, donc voilà, je l'avais pas encore, donc c'est cool, ça me fait récupérer encore une petite chose de la collection sirène que je n'avais pas, donc je suis très 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 contente. En tout cas voilà, cette journée sur Kibi Island avec moi, eh bien se finit, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'étais très contente comme d'habitude de faire encore cet épisode avec vous et du coup il se passe quand même pas mal de choses, je sais pas du tout encore quoi faire pour Tupux et voilà, ça m'empêcherait de faire quand même une chasse à l'habitant et ça m'embête un petit peu parce que j'adore les chasses à l'habitant, je sais que vous aussi et au moment où vous verrez cette vidéo, et bien ça sera trop tard parce que Tupux sera déjà parti vu que ce sera, on est vendredi et cette vidéo sortira et bien demain, donc samedi aujourd'hui.
En tout cas, un énorme merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Le mot de la fin, évidemment, eh bien, c'est un visiteur au camping, vu que c'est le thème de ma vidéo. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo. Je sors des vidéos presque tous les jours et je live assez souvent quand même sur YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche et évidemment les petits pouces bleus. C'est hyper important, histoire et bien de me soutenir un maximum et surtout de me montrer que vous êtes content et que vous aimez ma vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kipichis. Na na oh 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 na oh oh na mi na.